Bonjour tout le monde. Nous, le 4 avril 2022, moi c'est Didier Alien. Vous êtes très content avec nous comme chaque matin. Ça fait exactement 2 ans que moi j'ai dérapé faire vidéo. Chaque matin, je viens parler avec nous. Il y a exactement 2 ans de ça, lorsque j'ai commencé à faire vidéo, c'était dans un contexte mondial très différent. Nous avons commencé avec Covid. Nous avons commencé avec confinement. Nous avons un maximum d'incertitude. Nous ne savons pas qui s'abat à la tête de nous. Nous ne savons pas quel niveau de danger que nous avons dans Covid là, parce que tous les médias ont éclaté et exagéré. Au fait, fondamentalement, ça que nous avons pour une bonne raison, parce que au fait, nous ne pouvons pas mentir, il y a des gens qui sont victimes et qui passent dans Covid. Mais pour la grande majorité de nous, grâce à Dieu, nous l'avons toujours. Et ce que nous avons souhaité il y a 2 ans de ça, c'est que nous avons retourné dans un monde qui semblait normalité que nous avons connu. Voilà que je dis, et tout le monde presque retourné à la normale. Il a éliminé les masques, il a éliminé toutes les restrictions que nous avons, il n'y a pas trop de pays qui sont confinés. La vie retourne. À saleté. Mais est-ce qu'on apprécie vraiment? Est-ce que j'ai un désir ça allait taper tout fait la caille en confinement il y a 2 ans de ça que kounya ou jwenn ni est-ce que kounya font bagarre avec? Pas fin avec, nous sommes des animaux d'adaptation, nous adapter nous. Nous avons capacité de résilience aiguë et puis à quelques exceptions près. Nous retournons exactement j'en étais avant, mais nous pas même qu'apprécier pour ça lié encore. Alors que jou ça, il y a 2 ans de ça, c'était plus gros rêve nous, c'était plus gros désir nous, c'est peut-être permettre nous de rencontrer l'autre, de faire un monde, un croquet, un bon accolade, un abraço, sans stress, capable de faire une famille, capable de voyager sans stress, capable de connaître que ça est derrière nous. Dans quelques semaines, peut-être quelques mois, bah, on est, nous n'avons pas jamais entendu parler de ça encore, qui était le Covid là. Les cas retournent tout, nous ne connaissons pas. Mais tout ça pour dire nous que la vie a son succession d'événements, son succession d'événements aléatoires, si nous carrément comme ça, qui ont un fil en commun, c'est vrai, mais que nous ne pas contrôler. Et si nous avons que m'apprendre depuis 2 ans, que m'a essayé de dire nous tout, c'est apprendre à vivre avec incertitude de la vie, apprendre à vivre avec flux de la vie, apprendre à vivre avec que il y a bon bagage qui arrive et il y a ça que nous qualifier mauvais bagage qui arrive. Et bon bagage arrive bon monde, bon bagage arrive ça ou qualifier de mauvais monde, mauvais bagage arrive bon monde, mauvais bagage arrive ça qualifier de mauvais monde, il pas gagné pour ça, c'est pas comme ça bagage la marché. Son flux expérimental, son expérience sont découvertes à chaque moment. Et printemps aujourd'hui pour nous réaliser que ça fait 2 ans que ça ne voulait à 2 ans ça nous gagne aujourd'hui, pas de masque, pas de etc ou capable de faire mon ou capable de faire occupation. Il y a l'autre set de problèmes, il y a la guerre en Ukraine, peut-être pour certains monde sont gros problèmes, il y a sécurité là caillou nous sont très gros problèmes, mais on peut pas une étape après l'autre. Nous avons demandé que nous gérer Covid. Ou gérer Covid, c'est un gros bail qui fait. Profitez de lui. Et by all means, et à tous les niveaux, il faut accepter l'incertitude, il faut embrasser, il faut vivre avec lui. C'est lui qui est symbole de l'expérience humaine. C'est lui qui est symbole de la vie. Ses capacités pour que à n'importe quel moment tout va basculer dans le bon sens, pourquoi pas si c'est sauvé. Et que pas grand rien qui soude dans le béton. Donc m'a quitté nous sous ça qui c'est une phrase de une espèce de un philosophe qui te dit ça, il dit l'heure nous fait plein bon Dieu rit. Parce que grand pile monde qui était grand pile plan il y a 2 ans de ça pour te font paquet de bagages et puis Covid arrivé puis tout plan tombé à l'eau. Grand pile monde qui était grand pile garantie qui pensait que tu étais fin bon et puis que la vie a changé du jour au lendemain. Gagne il changer pour le meilleur, gagne il changer pour le pire, mais le pire c'est en perception liée.
La vie a toujours nos leçons que nous avons besoin pour nous avancer, pour nous évoluer, pour que nous allons à l'autre niveau, pour nous allons à l'autre niveau que nous-mêmes nous avons sur la planète. L'essentiel, c'est que nous avons créé nos missions de bien-être, de bien faire et de quelque part contribuer à élever la vibration, à élever le bien-être là, en général pour toute bagaille qui est sur la planète. Ça. Et là avec mentalité ça avec et ouverture d'esprit ça avec approche ça quelle que soit incertitude là quel que soit mauvais moment quel que soit bon moment ou jouer beaucoup plus ou beaucoup plus présent ou beaucoup plus serein ou beaucoup plus apte à aller de l'avant si vous m'a dit nous toutes merci ça fait 2 ans que grand pile dans nous cap coûter ça fait 2 ans que m'a frappé nous va camper non plus et ça fait un plaisir que me là et que m'évoluer ça fait 2 ans que m'a évolué publiquement avec nous et ça qu'apprécie de partager vidéo like li mais honnêtement c'est pas pour ça me fait et c'est m'a toujours continuer faire pour que nous gagnions l'autre son de yo dans pays nous pour que nous gagnions son en créole qui est positif et qui est d'une certaine façon a fait exactement ça me fait dire là qu'a font promotion de bien-être en promotion de bienveillance en promotion de collaboration en promotion de râler monter et pas râler monde descendre tant que crabe. Passons bonne journée tout le monde. Kebela, n'après demain matin.